Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai eu envie de traiter du thème mon indépendance financière. Comment est-ce que plus tard, je vais devenir mon propre banquier? Et oui, c'est quelque chose qui est en train de changer. Et moi, je reste convaincue que les gens ont une grande sensibilité à l'information et que le monde dans lequel on va vivre sera un monde dans lequel nous allons réduire les tiers. Ces tiers, ce sont tous ces intermédiaires que nous rencontrons dans notre vie, qui apportent des frais supplémentaires, des coûts de gestion et qui nous rendent la vie parfois un petit peu plus difficile. Et oui, comme vous le savez depuis 2007, avec la crise des subprimes aux États-Unis, qui est venue déferler en France avec son effet domino, nous rencontrons quelques difficultés à payer nos factures et à résister. Alors c'est le cas de figure pour les gens diplômés et c'est également encore plus le cas de figure pour ces personnes qui, eux, n'ont pas de diplôme et qui ont encore moins de possibilités. Alors dans cette logique, qu'est-ce qui est en train de se produire? Ben, tout simplement, c'est que les gens sont à la recherche de l'information, les gens prennent le temps de comprendre et les gens cherchent à réduire tous ces tiers qui, à leur sens, ne servent pas forcément et qui, surtout, leur amènent des frais de gestion. Alors, ces frais de gestion, on en entend également beaucoup parler avec les banques. Et oui, ces banques qui, pour certains, ont le monopole bancaire, donc ont l'impression d'être pressés par ces banques. Aujourd'hui, nous vivons un changement. Ce changement, il est qualifié par un mot qu'on appelle disruption. Quelque chose qui disrupte et quelque chose qui fait une transition nette, un 360. Alors cette disruption, elle est mise en place par ce qu'on appelle l'innovation technologique. Et cette innovation technologique, elle est telle qu'elle est capable d'impacter le monde de la finance. Et justement, impacter le monde de la finance en redonnant du pouvoir à des acteurs qui ne sont pas financiers, des acteurs comme vous et moi, qui vont reprendre quelque part le contrôle sur leur épargne, voire même sur leur investissement. Et oui, les gens sont conscients qu'aujourd'hui, en France, notre système de protection sociale est quelque chose de très favorable, nous n'allons pas nous en plaindre. Mais il y a des avantages, des forces, des faiblesses, et il y a aussi des menaces. La première menace aujourd'hui, à mon sens, est le fait que plus tard, je ne suis pas sûre que je puisse compter sur ma retraite. Il me faut penser consommateur de mes propres finances. C'est-à-dire, comment je vais faire en sorte, actuellement, mais de financer ma retraite, mais attention, également de vivre aujourd'hui, d'épargner intelligent. Alors, à ceci, il y a des alternatives. Vous avez ce qu'on appelle les banques traditionnelles. Alors, je ne citerai pas de marque puisque je fonctionne de façon complètement indépendante de tiers. D'une façon indirecte, moi, je travaillais dans ce qu'on appelle des fintechs. Les fintechs, ce sont un peu les banques du futur. Les fintechs, c'est un peu l'acronyme entre finance et technologie. Donc, moi, j'ai travaillé dans ce qu'on appelait des fintechs. Je suis responsable du contrôle interne. J'ai pu observer beaucoup d'écarts, beaucoup de non-conformités, alors que même ces établissements avaient été contrôlés par les autorisations de mise sur le marché et également la Banque de France. Voilà pourquoi je suis ma propre consommateur. Car attention, tout ce qui est réglementé n'est pas forcément conforme. Vous avez quand même un point de vigilance à mettre en place pour les établissements qui ne sont non agréés, bien sûr. Mais restez vigilants même sur ceux qui sont agréés. Donc, vous avez vos banques traditionnelles. Nos banques traditionnelles, comme vous le savez, nous prennent des frais de gestion qui sont énormes, nous donnent aucun pouvoir. Pour vous donner un petit exemple d'il y a quelques années, donc moi je suis quelqu'un d'un peu créative, de très curieuse et avec un côté un peu entrepreneur. Et je suis très sensible également à tout ce qui est d'intérêt social, collectif et collaboratif. Je crois dur comme fer à l'économie collaborative. C'est également une des raisons pour lesquelles je fais également ces petites vidéos et ces audios.
car à l'origine, je suis consultante internationale et je souhaite mettre à profit mon savoir pour potentiellement, peut-être, humblement aider les gens qui pourraient en avoir besoin. Donc, pour revenir à mon expérience personnelle, il y a quelques années, donc, j'avais envie de créer quelque chose à valeur entrepreneuriale. J'avais un projet. Bon, je ne vous le cache pas, ce projet, c'était de mettre en place des biofermenteurs industriels. Alors, c'était un double usage. Ces biofermenteurs auraient été utilisés dans les mondes des entreprises, en fait, pour dégrader de manière biologique les déchets, de façon à diminuer le coût de traitement par les stations d'épuration des villes dans lesquelles ces entreprises sont localisées. Et ce projet avait un double intérêt, puisque mon souhait, c'était tout simplement d'utiliser cette méthanisation et ces substrats de fermentation secondaire, on va dire, pour les utiliser en tant qu'énergie et de l'indépendance financière arriver à une indépendance, on va dire, énergétique. Donc, ce projet, il avait trois intérêts. Premièrement, donc, les entreprises, mais il avait également pour vocation de s'intéresser aux collectivités et aux particuliers, puisque le particulier lui-même, à mon sens, dans son petit jardin, aurait pu mettre en place sur ses déchets, ses substrats de fermentation, une petite bâche, et à l'issue de cette bâche et de cette fermentation, récupérer tout simplement les gaz de fermentation pour produire également sa propre énergie. Alors moi, mon projet, c'est un projet que j'avais il y a 6 ans maintenant. Donc pourquoi je vous parle des banques? Parce que j'ai fait l'étude de marché de mon projet pendant à peu près une année, donc en parallèle de mon travail. Et je me suis aperçue tout simplement que même si mon projet me paraissait faisable et périn dans le temps, eh bien, j'étais confrontée en dernier lieu à une très grosse difficulté, celle d'aller vers les banques, d'expliquer mon projet aux banques, d'expliquer leur intérêt. Alors ma difficulté en fait et mon risque dans ce projet, il était premièrement financier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai abandonné ce projet. Car à mon sens, c'était prendre bien trop de risques. Et au moment de me diriger vers les banques, je me suis aperçu que ces banques étaient plus un frein qu'un catalyseur d'opportunités. Voilà. Et si le problème se pose pour moi, il s'est certainement posé pour de nombreux autres entrepreneurs ou porteurs de projets. Alors petit à petit, je ne suis pas arrêtée là. J'ai peut-être un peu mis en suspens mon projet, mais je me suis concentrée sur les possibilités qu'avaient les entrepreneurs. Et c'est là que j'ai découvert la finance collaborative. Par la finance collaborative, en fait, j'ai tout simplement découvert le financement participatif. Le financement participatif, c'est tout simplement la possibilité que vous avez de présenter votre projet à une communauté et de le financer par une communauté. Voilà, donc il n'y a plus indirectement d'intermédiaire, si ce n'est la plateforme FinTech par laquelle vous allez passer et qui bien sûr vous prendra des frais de commission. Là aussi, je vous arrête et je vous dis attention, en tant que contrôleur interne, ne croyez pas toutes les plateformes. Les plateformes qui vous diront qu'elles présélectionnent des projets, qu'elles ont étudié ces projets, n'est pas à mon sens forcément vrai. Si là aussi je reprends mon expérience, personnellement, j'avais un projet dans lequel je croyais. J'ai décidé, dans les années qui suivaient, de linéariser mon risque. C'est-à-dire qu'au lieu de décider d'investir tout mon enveloppe dans mon propre projet, j'ai décidé de supporter différents projets. C'est-à-dire de contribuer avec ma petite épargne à aider différents porteurs de projets à concrétiser leur projet. Et puis indirectement, d'utiliser à bon escient mon épargne et d'espérer humblement créer des emplois en France. Pourquoi? Car à ce jour, il est à mon sens très difficile de trouver des emplois. Donc je reviens là-dessus. Voilà, donc si vous avez de l'argent à investir, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Le financement participatif, donc c'est un peu le crowd equity, c'est la possibilité que vous avez de prêter à des porteurs de projets. Je reviens dessus, risque 3, risque maximal, ne faites pas confiance aux plateformes.
quand une plateforme vous dit qu'elle a vérifié la conformité des projets, ne le croyez pas. J'ai à ma connaissance plus de 5 à 6 ans d'expérience d'utilisation des FinTech et la seule chose que je constate au jour d'aujourd'hui, c'est que la base même de la réglementation sur certains projets n'est pas vérifiée. Je vous donne en mille certaines activités pour n'en citer aucune car je souhaite rester indépendante. Certaines activités, donc ça c'est mon constat, certaines activités ont été présentées à la communauté, financées par la communauté et pour autant, ces personnes n'avaient même pas d'agrément URSSAF. Vous vous rendez compte de l'énormité réglementaire. Et pour autant, ils ont été présentés à la communauté. Donc voilà, moi c'est des choses qui actuellement me choquent. J'ai d'autres projets également qui sont encore plus choquants. Encore plus peut-être pas, mais dans la même problématique. J'ai eu également d'autres projets qui avaient été présentés, donc d'intérêt collectif, qui intéressait de nombreuses personnes et en fouillant un peu avec les années, en recherchant un petit peu plus, je me suis aperçue que, attention, ne faites pas confiance, certains projets ne sont même pas conformes. Je prends un exemple avec des produits, on va dire, de production d'énergie, d'éoliennes et de choses comme ça. Voilà. Donc, c'est des projets qui ont une envergure énorme, avec lesquels les gens ont levé plusieurs millions et pour autant, qui n'était même pas accrédité avec le COFRAC. Ceci n'avait même pas été validé. Et moi, je m'en suis aperçue que des années après. Donc voilà, ça, c'est des exemples voilà, que je prends au hasard. Mais tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est soyez consommateurs. Vérifiez tout ce que vous utilisez. Vous ne faites actuellement peut-être plus confiance à vos banques, mais ne laissez pas les banques du futur reprendre le monopole. Soyez attentifs aux risques et aux opportunités. Après ceci, j'ai envie de vous dire foncez, devenez indépendant si vous le pouvez, épargnez, économisez, pensez économie collaborative et partagez. Le partage peut commencer par le partage de l'information. Prenez le temps de partager et moi je suis sûre que vous verrez que dans quelques années, nous aurons une grosse valeur ajoutée au partage. Et je sens que nous y sommes déjà engagés et les gens sont de plus en plus sensibilisés à ces points. Voilà, je vous dis foncez, soyez curieux et surtout soyez heureux !